Coucou tout le monde, je reviens ce soir encore dans une nouvelle vidéo et c'est pour un tuto Fimo, donc voilà le grand retour des tutos Fimo. Excusez-moi. Hein. Donc je vais vous faire un tuto sur un petit muffin avec des vraies pépites de chocolat. Enfin, des pépites de chocolat qui font vrai. Voilà. Donc tout texturé et tout. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un moule base cupcake tout petit. Donc là, par rapport à mon pouce, bon après vous choisissez la taille que vous voulez, hein. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez, une fois que vous allez avoir formé votre moule, vous prenez un scalpel et vous faites plein de petits traits tout autour. Donc ça marche aussi, hein. Vous allez avoir besoin d'une brosse à dents spéciale Fimo que vous n'utilisez plus. Donc moi la mienne en plus je m'en sers souvent, ça se voit. Ensuite, vous allez avoir besoin de Python, donc c'est des petits clous à vis. Vous pouvez prendre aussi des clous à œil ou des tiges à tête plate aussi, c'est pareil. Et vous allez avoir besoin de pâte Fimo beige. Donc là, c'est la couleur Sahara 07 et de couleur or, donc métallique or numéro 11. Et donc avec ces deux couleurs, vous allez former un mélange pour que ça fasse une couleur qui fasse gâteau. En fait, on voit bien que le mien, on dirait qu'il a été cuit. Et c'est le mélange qui fait que je n'ai pas besoin de rajouter de fard à paupières ou de pastel, enfin des trucs pour faire l'effet cuit. Surtout que je trouve que ça marche pas et qu'après la cuisson, ça tient pas très bien. Donc voilà. Donc moi, j'ai déjà fait le mélange. Donc vous prenez à peu près... Vous prenez la moitié d'une bande de Sahara pour faire un assez gros bout pour pouvoir en faire plusieurs. Et vous prenez un tout petit peu de doré et vous en rajoutez à la rigueur jusqu'à ce que ça fasse un effet cuit. Attention à ce que ça fasse pas trop doré parce que sinon après ça fait complètement moche, ça fait cramer, on va dire. Excusez-moi pour le langage. Donc vous allez aussi avoir besoin d'une lame ou d'un scalpel. Et alors, mon secret pour les pépites de chocolat, de pâte Fimo marron classique qui est très très dure, dont vous ne vous servez plus parce qu'elle vous fait mal aux mains, le truc que vous avez longtemps hésité à jeter mais que vous avez quand même gardé, on ne sait pourquoi. Et ben maintenant, je vais vous montrer en quoi on peut le recycler sans resservir. Donc, c'est pas parce qu'il est dur, bon après, il y a le ramollisseur de pâte, hein, mais de la pâte dure. C'est efficace pour faire des vraies pépites. Donc, vous allez tout d'abord prendre de la pâte. Donc, vous allez prendre un bout assez petit. Donc, à peu près cette taille-là, hein, par rapport à mon pouce. Donc, voilà, hein, qu'on roule. Vous faites une boule, vous prenez votre moule à cupcake. Donc bien sûr la taille de la pâte est en rapport avec la taille du moule, hein. Vous n'allez pas mettre ça dans un moule qui fait ça. C'est logique. Donc vous l'aplatissez un tout petit peu en boudin pour qu'il rentre bien et qu'il épouse bien la forme. Donc voilà, donc ensuite je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez bien. On va bien faire une sorte de petite boule, un petit dôme. Voilà. Donc ensuite, on va prendre la brosse à dents et on va texturer. Et alors moi, mon astuce, c'est que je laisse dans le moule jusqu'à la dernière minute pour pas que ça déforme tous les petits traits qui sont en bas. Donc voilà, vous texturez bien partout, quitte à bien appuyer pour faire vraiment l'effet mousse du muffin, hein, parce que le muffin, c'est vraiment une génoise. Donc voilà, là on a vraiment l'impression que c'est un vrai gâteau. Et donc on va ajouter les pépites. Donc vous prenez de la pâte marron, dure, donc vous avez besoin juste d'un petit bout, hein. Et vous allez couper, je vous descends encore un peu, vous allez couper des bouts. Et alors en fait justement, il faut que ça s'émiette tellement votre pâte est dure. Si ça s'émiette, c'est parfait
parce que du coup ça éclate, ça donne des morceaux pas réguliers du tout, et c'est ça qui justement fait l'effet pépite. Donc voilà, et on a vraiment l'impression que je fais des pépites de chocolat. Voilà. Donc ensuite, vous allez avec votre doigt, vous prenez une première pépite. Oups. Et vous allez la coller un peu au hasard sur votre muffin. Et donc vous en mettez un petit peu partout. Je suis désolée, hein, j'arrive pas bien à centrer. Et essayez de les mettre de façon irrégulière, comme si c'était vraiment des pépites qu'on avait mélangées à de la pâte. Et alors n'hésitez pas à prendre aussi de la poudre et à la coller. Ça fait vraiment l'effet miette des pépites. C'est ça qui justement fait hyper réaliste. Donc après vous en mettez hein, selon votre envie. Voilà, moi je pense que j'en ai mis assez. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite ça vous l'enlevez. Hein. Vous voyez bien que ça fait vraiment un vrai muffin. Donc vous n'hésitez pas à retexturer, et ce qui n'est pas gênant puisque la pâte marron dure ne prendra pas l'empreinte de la brosse à dents vu que justement elle n'est pas assez molle. Et donc ça vous donne, en plus comme ça vous écrasez un peu les pépites et ça vous donne vraiment l'effet gâteau. Donc surtout moi ce que je laisse dans le moule jusqu'au dernier moment pour que ça fasse bien la forme. Donc ensuite vous prenez un piton ou une tige à tête plate ou même un clou à œil. Donc moi je prends un piton que vous allez enfoncer dans le muffin. Et donc après la cuisson, pour être sûr que ça tienne bien, vous le revissez un coup pour être sûr. Et donc là, j'enlève de mon moule, ce qui fait que j'ai bien l'empreinte. Et ça vous donne un muffin tout petit qui est hyper réaliste. Qu'ensuite, vous pouvez monter sur un bracelet ruban. Donc si vous voulez, j'ai fait un tuto sur ce bracelet ruban. Donc vous pouvez aller voir comment on monte un bracelet ruban. Et donc voici votre petit muffin tout mignon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez pouvoir le refaire chez vous. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !